C'est bon. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Belly of Tea. Elle m'éclate cette chanson. Je m'appelle Youssef Ben Ali, je suis chef de projet à la direction médicale et j'ai rejoint le RHNE il y a 4 ans et demi. Alors c'est quoi un chef de projet? En fait, au quotidien, ça veut dire coordonner le travail de plusieurs directions qui collaborent ensemble pour la conduite d'un projet, mettre en place une nouvelle organisation ou de nouveaux outils. Et ça peut être à la fois un niveau très institutionnel et puis ça va concerner l'ensemble de l'hôpital ou des projets beaucoup plus ciblés, concrets, proches du terrain, où on va aider des services à travailler plus efficacement, développer de nouveaux outils. Et ce qui est passionnant dans ce métier, finalement, c'est qu'on change de domaine en fonction des sujets qui vont être traités. Et puis, après quelques années, j'ai l'impression d'avoir visité la moitié des services de l'hôpital. Par exemple, récemment, j'ai collaboré avec la pharmacie de l'hôpital au sujet des ruptures de médicaments. C'est un sujet d'actualité qui concerne vraiment tous les hôpitaux de Suisse. On a de plus en plus de ruptures. Et ce que j'ai fait, c'est les accompagner à la fois pour revoir l'organisation et puis mettre à disposition des outils pour simplifier leur travail au quotidien, que ce soit plus efficace et de permettre de coordonner le travail entre les assistantes en pharmacie et les pharmaciens. Ce qui est le plus complexe finalement dans ce genre de processus, c'est de coordonner le travail des différentes personnes qui vont intervenir, puisque d'une part, une rupture peut être traitée sur plusieurs semaines et donc ce ne sera pas toujours les mêmes personnes qui vont devoir la gérer, et puis c'est différents corps de métier qui participent, les assistantes en pharmacie, les logisticiens, les pharmaciens. Donc avoir une info qui est toujours tracée, qu'on peut suivre sur un temps assez long et qui permet d'être sûr que chacun ait la bonne info au bon moment, c'est finalement ça tout l'enjeu de cet outil. My friends all drive Porsches. I must make amends. I worked hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Alors quand je ne suis pas à l'hôpital, ma grande passion c'est le chant. Je chante depuis tout petit. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et en ce moment, je suis dans un groupe de rock. On fait des reprises décalées avec 5 autres amis et on tourne un peu partout dans les bars de Suisse romande. Chez moi, je me suis aménagé un petit studio fait maison qui me permet de m'enregistrer quand j'ai besoin d'un son un peu plus professionnel ou de faire des retouches. Donc c'est artisanal, mais ça me permet de vivre aussi ma passion chez moi.